oublié de quitter, s'il vous plaît. Fait que moi, je vais y aller. Bye. Ça va, man? Ouais, toi? Ok. J'essaie de faire la diffusion en direct sur Facebook, ça fonctionne pas. Ben, il est live sur YouTube, en tout cas, je vais recevoir un message. Ouais, mais pas sur Facebook, pourtant, j'ai quelques bonnes affaires. Mais...
Test. Test 1, 2. La numéro 3, Mélissa Roy. La numéro 7, Joël Gosselin. La numéro 7, un, deux, test. 19, test, test. Un, deux, test.
Ouais. Bonsoir et bienvenue à ce deuxième match de la saison régulière du Rouge et Or Soccer féminin, ici au PEPS de l'Université Laval, alors que le Rouge et Or reçoit les Patriotes de Trois-Rivières. Mon nom est Mathieu Bérubé-Beaumont, je suis avec Maxime Montembeau, mais malheureusement pour la soirée, ça sera très très dur de lui parler parce qu'on a un petit problème technique avec, avec notre équipement, ce qui fait qu'on a seulement un headset, un écouteur seulement, donc pour ce soir qui est en fonction. Mais Maxime est donc en formule test, lui qui en est à sa première saison avec nous. Donc pour ce soir, je serai à la description, mais je serai là vous le passer par quelques moments pour qu'on puisse quand même commencer à l'entendre ce soir. Donc le Rouge et Or qui a gagné son premier match par la marque de 2-0 joue contre les Patriotes de Trois-Rivières aujourd'hui. Alors, on va vous donner les alignements partants dans quelques instants. Alors, le 11 partant pour votre Rouge et Or, tout d'abord dans les buts, la numéro 22, Myriam Labrec. Pour les 10 autres joueuses, la numéro 2, Mireille Patry. Numéro 3, Mélissa Roy. Numéro 7, Joël Gosselin. Numéro 8, Cynthia Turcotte. Numéro 10, Dominique Fortin. Numéro 11, Marie-Michelle Métivier. Numéro 12, Kim Tremblay. Numéro 14, Laurie Couture-Dallaire. La numéro 17, Sophie Bourassa. La numéro 19, Marie-Sandra Yujneza. Et c'est ce qui met fin au 11 partant. Pendant que le match vient tout juste de débuter, donc c'est Kim Tremblay dans le coin qui va chercher une première rentrée de touche pour votre Rougier. Du côté de Trois-Rivières, dans les buts, originaire de la région de Québec, Ariane Clou. La numéro 3, Mélissa Beaulieu. La numéro 5, Lauriane Beauchamp. Numéro 6, Audrey-Anne Deguise. La numéro 8, Andréanne Thériault. La numéro 10, Alexa Dallaire. La numéro 12, Catherine Saint-Jean. Numéro 14, Marianne Boyer. La numéro 16, Valérie Noël. Numéro 21, Magali Gravel. Et la numéro 22, Maude Poulain, de l'entraîneur-chef Jean Durnick. Alors, le match qui vient tout juste de débuter, donc, et puis nous avons immédiatement un coup de pied de coin pour votre Rouge et Or. Ce sera Métivier au coup de pied de coin. On sait que lors du premier match, on l'a cherché énormément. Ça a marché à une reprise sur une contre-attaque. Le ballon de Roy, la capitaine, vers Métivier. En pression, remet à Roy à l'arrière qui centre le ballon en direction de Couture Dallaire qui prend ce ballon. Est-ce qu'elle sera capable de tirer déjà? Oui, quel arrêt de Ariane Clou là, sur la séquence. Un tir à bout portant. Et c'était quand même bien monté par Roy à Couture Dallaire. Là, c'est intercepté en milieu de terrain par Turcotte sur le flanc droit. On se dispute bien le ballon. On se bat bien quand même avec deux joueuses de Trois-Rivières qui fait une lourde chute. On reprend du côté des Patriotes. C'est intercepté en défensive, là, très bien fait par Patry. On décidera de revenir à l'arrière finalement. Puis on va aller jusqu'à Yujneza. La pression vient quand même très très vite du côté de Poulain. De Couture Dallaire, on remet à Roy à l'arrière. Roy qui était une des joueuses qui était aux Universiades à Taipei au cours des dernières semaines. Et attention, justement c'est Gosselin qui a le ballon. Elle-même qui a marqué le seul but de l'équipe canadienne lors de ces compétitions. Cette année, on a terminé au dixième rang. On sait très bien que l'an passé, on avait malheureusement perdu la médaille de bronze, donc on a fini au quatrième rang. Et on se rappelle que les Universiades, qui n'ont pas vraiment une couverture au niveau des médias pour le Québec, est une compétition qui a autant d'athlètes que les Jeux olympiques, donc plus de 12 000 athlètes de 140 pays y prennent part. Donc on a quand même quatre joueuses du programme qui ont participé pour l'équipe du Canada, pour le soccer féminin, pendant qu'on a une contre-attaque. Et pour le match de ce soir, là, on a Vandal dans les buts qui prend du repos. Donc, c'est encore une fois là, la joueuse de première année, Labrec, qui est dans les filets. À l'arrière, on retourne sur Patry. Là, c'était de Bourassa vers Patry. Puis, on a du temps là, pour Yujneza. Un très, très long ballon en direction de Métivier. Encore une fois, on la cherche sur le terrain, complètement sur le flanc droit. On tente de centrer ce ballon pris de la tête par Trois-Rivières.
Ça va aller jusqu'à Tremblay. Tremblay qui fait face à deux adversaires et là perd ce ballon. On revient et on sait que Mélissa Roy, qui aime quand même aller en offensive, a dû revenir à l'arrière pour la contre-attaque. On lui remet ce ballon, mais malheureusement, le ballon qui sort à l'extérieur, ce sera donc une rentrée de touche pour Trois-Rivières. Alors qu'on a une bonne foule ce soir, là, les estrades sont pleines. On a énormément de foule. On a au-dessus, je vous dirais, environ peut-être... les estrades sont complètement pleines, donc je ne sais pas, là, au moins 600-700 personnes sur place. Donc, quand même une belle soirée, pas mal plus chaude que la semaine passée, on peut vous le garantir. Et là, pendant que le ballon va au milieu à Turcotte, qui manquait de rapidité, on perd ce ballon à la toute petite Thériault, là, seulement 5 pieds sur le terrain, mais très rapide. Il sera repris en défensive par Patrice sur Turcotte. On a peu d'options, on reviendra jusqu'à la break. On élargit vers Yuzhneza, puis à la capitaine Roy. Roy de retour à Yuzhneza. En milieu de terrain, pris par Couture Dallaire, puis vers Tremblay qui passe finalement ce ballon qui est reprojeté par Beauchamp. C'est repris à nouveau par Tremblay. Charles Madin, encore une fois, on visait Métivier qui serait parti seul avec ce ballon. En pression, là, c'est Tremblay qui tire un petit peu le maillot, mais on l'a joué du côté de l'officiel. Repris de la tête par Yuzhneza. Le ballon qui quittera le terrain, ce sera donc une rentrée de touche pour Trois-Rivières. À la reprise, c'est De Guise en direction de Noël. On relance ce ballon. Ce sera repris par Bourassa. On vous rappelle que maintenant, cette saison, on est également sur Facebook Live. Je pense qu'on a quelques petits pépins pour le match de ce soir. Mais pour les autres matchs de cette saison, on sera en live sur Facebook. C'est beaucoup plus simple aussi pour revenir voir là, les matchs. Turcotte qui reprend le ballon en milieu de terrain. À l'arrière, en direction de Patry. Le flanc droit qui est fermé. On revient un petit peu vers le milieu, puis on va vers l'arrière sur Bourassa. Puis Yuzhneza en direction de la capitaine Roy. Gosselin, meilleure buteuse du circuit l'an passé, fait une très, très longue passe. Et là, on se dispute le ballon. Et finalement, le ballon qui quittera pour une rentrée de touche à la faveur du Rouge et Or. C'est fait dans le coin de terrain. C'est repris par Roy. Et le ballon, là, finalement, qui ne quitte pas le terrain, qui est gardé tout juste. Et puis, De Guise qui sort ce dernier. Ce sera donc une rentrée de touche pour votre Rouge et Or. À la 7e minute de jeu, c'est toujours 0-0 ici au stade du Peps. Tremblay, on revient à l'arrière sur Bourassa qui a quand même des gros souliers à chausser pour cette saison. On sait que Gauthier était la capitaine de cette équipe en milieu de terrain. Il faisait tout qu'un travail. Et c'est Bourassa qui aura cette tâche cette saison. Là, c'est Yuzhneza qui reprend le ballon vers Tremblay. On le gagne bien et en direction de Gosselin. Un pied à pied qui mène au ballon de Couture. Tremblay qui est en option. Encore une fois, on vise Métivier sur la séquence. Et là, cette fois-ci, on la rejoint complètement sur le flanc droit à la hauteur de la surface. Un changement d'aile en direction du deuxième poteau. Tremblay qui se bat bien, mais... Clou qui repousse ce ballon sur Couture. On sait que lors du premier match, ça n'a pas été très, très simple pour le Rouge et Or. On avait quand même des joueuses qui n'étaient pas là, puis on manquait un petit peu là, de cohésion. Et puis pour ce soir, déjà, le rythme semble beaucoup mieux. Donc, ça paraît là, que tous les effectifs sont de retour. Ce sera une rentrée de touche avec De Guise. De Guise de la tête vers Poulain. Là, on se dispute le ballon. C'est Poulain qui prendra le tir en direction de la break et qui fait un arrêt facile sur la séquence. On remet un court ballon en direction de Turcotte. Turcotte sur l'aile à Métivier qui revient vers l'intérieur en direction de Gosselin. Et là, on le sait très bien que du côté de Trois-Rivières, on doit être quand même très, très serré sur l'offensive du Rouge et Or qui marquait pas moins de 5 buts par match l'an passé en moyenne. Donc, c'est tout qu'un défi là, pour la troupe de Jean Durnick.
On le sait que du côté du Rouge et Or, là, c'est l'entraîneur de l'année au pays, Elder Duarte, qui est encore présent. Là, c'est Couture en pression. On n'a pas le choix. On doit revenir sur clou à l'arrière. Qui prolonge le ballon en direction de Poulain. Et là, manque de communication chez Trois-Rivières. Poulain à nouveau. Et là, on manque de précision sur la séquence. Là, c'est Tremblay qui, malgré tout, garde le ballon. Un beau ballon sur l'aile en direction de Roy qui appuie. Est-ce qu'on serait capable de bien centrer ce ballon? Oui, tout juste. On garde le ballon à l'intérieur et Trois-Rivières qui relance. Poulain en poursuite, mais le ballon qui finalement quittera le terrain. Ce sera donc une rentrée de touche pour votre Rouge et Or. Là, ce sera Roy à l'entrée de touche sur Couture. Couture qui perd rarement des 1 contre 1. Et là, le ballon qui quittera finalement à l'extérieur pour les Patriotes. Je pense que Maxime trouve ça quand même simple pour son premier match. Ça va bien, Max? Oui? Ça va super bien, oui. Du beau jeu. Du beau jeu à soir. Super le fun de vous voir. Oui, effectivement. Donc, un match qui s'annonce mieux. C'est sûr qu'avec un alignement plus complet, on a quand même une qualité de match qui est supérieure. Et en plus, il fait super beau. Et on a un programme double pour vous ce soir. Donc, les hommes qui joueront leur premier match de la saison à 20h15. Il y a hors-jeu sur la séquence. Malgré tout, la brique qui avait fait toute une sortie et qui avait bloqué ce ballon. Ce sera donc un coup franc pour le Rouge et Or. C'est Roy à la relance qui pousse un long ballon en direction de Gosselin, mais c'est repris de la tête là, finalement par Beauchamp et De Guise, les deux qui se sont bataillés le ballon. Et là, Turcotte qui rate sa passe. On garde malgré tout ce ballon en direction de Bourassa, puis sur Yujneza. Encore une fois, là, on pousse un très, très long ballon en direction de Métivier. Ça me fait penser vraiment au dernier match quand on tentait à plusieurs reprises de trouver Métivier sur le terrain. Ça a pris quand même une bonne mi-temps pour qu'on y arrive, là. Donc, ce sera ça serait bien de voir si ce soir, on pourra vraiment y aller là, de meilleur ballon sur Métivier, parce que c'est sûr que lors du premier match, on avait quand même perdu plusieurs longs ballons. Là. Et là, c'est Turcotte qui remet à l'arrière sur Patry, mais le ballon qui finalement quittera le terrain. Ce sera donc une rentrée de touche pour les Patriotes. Là, un long ballon en direction de Noël qui manque son contrôle. Ce sera donc une touche pour Patry et les Lavalloises. On pousse un très, très long ballon vers Gosselin, repris de la tête par Beauchamp. Et attention, là, on a une percée. Oh! Ça en est fallu de peu. Et là, encore une fois, un tir et la brèque qui sort, qui bloque ce ballon. Et Patry qui sauve la mise, là, vraiment. Et ne pense que Yujneza a tout juste dévié et puis il s'en est fallu de peu pour que le Rouge et Or tire de l'arrière. Là. C'est quand même surprenant là, que les Patriotes soient si affamés et quand même nous demandent de bonnes choses en offensive là, par le passé. C'était quand même plus dur pour Trois-Rivières. Pendant ce temps-là, on manque de précision sur le botté, ce qui donnera un coup de pied de but pour les Lavalloises. Et là, je vous le dis, il manque de place dans les estrades. C'est plein, plein, plein pour ce soir. Preuve que le soccer est toujours populaire. Et là, on a un coup quand même, j'oserais dire, salaud sur la séquence, là, dans les tibias et dans les mollets de la capitaine sur la séquence. Là, c'était De Guise qui s'est pas gêné pour frapper les mollets. Et puis, je peux vous dire que Roy n'était pas heureuse sur la séquence. Ça se bataille rudement et encore une fois, on aura un coup franc pour les Lavalloises. On fait une courte passe vers Métivier, puis ça manquait de précision tout juste pour Fortin. On voit quand même que la qualité de jeu est plus là et plus là, cette semaine. Là, ce sera un coup franc pour Trois-Rivières. Turcotte qui en a fait un petit peu trop sur la séquence. Ce sera Saint-Jean au coup franc. On tarde à s'élancer sur la séquence.
Saint-Jean qui fait un ballon quand même court et bas, qui rate le filet. Ce serait donc un coup de pied de but pour les Lavalloises. On est à la 14e minute de jeu. C'est toujours 0-0 au stade du Peps. On vous rappelle que le match des hommes sera à 20h15, donc venez en grand nombre au stade. Là, c'est Roy sur le flanc gauche. Se défait de son adversaire. Finalement, il ira sur la break à l'arrière. De la break vers Bourassa. En milieu de terrain, là, c'est cette passe qui manquait de précision pour Fortin. Et là, on se défait de son adversaire du côté de Turcotte, mais du côté de Trois-Rivières, là, on bouge quand même bien ce ballon. C'est plutôt là, dans le dernier tiers qu'on manque de précision sur nos passes. Mais quand même, on démontre de belles choses en offensive. Là. La remise qui est faite de la break vers Bourassa. Puis Patrick qui va d'un long ballon en milieu de terrain vers Métivier. Ça manquait de précision. Et là, c'est couture au ballon. On pousse un ballon très, très bas pour Métivier qui met le pied sur ce ballon. On est dans la surface. Ah, beau tacle sur la séquence là, des Patriotes. Et en plus, on a touché au ballon, ce qui donne un coup de pied de but pour Trois-Rivières. On remet sur le flanc gauche du côté des Patriotes. Oh! Quel contact de Métivier le long des lignes de touche. Aïe, aïe, aïe! Métivier qui fait sentir sa présence physique. Vraiment, l'adversaire qui a chuté... Mais c'est pas drôle, là, mais l'adversaire qui a chuté fortement au sol. Et le banc de Trois-Rivières qui n'était pas très heureux sur la séquence. Là. Ce qui donnera un coup franc donc pour les Patriotes. Remis court en milieu de terrain. Maintenant, sur le flanc gauche, c'est Turcotte qui intercepte. Oh, le coude au visage! Et finalement, ce sera un coup franc pour le Rouge et Or. Là. Je pense qu'on dit qu'on a bloqué le terrain du côté de l'officiel. Là, c'est Bourassa. On joue quand même très, très vite du côté des Lavalloises. On veut avoir ce tempo. On sait qu'au cours des dernières saisons, là, on a vraiment eu l'avantage à tous les niveaux, oui, mais surtout... Physiquement, on a un tempo qui vraiment fatigue les autres équipes. Je pense qu'on a hors-jeu sur la séquence là. Gosselin qui était parti un petit peu trop vite sur la dernière séquence. Clou qui avait pris ce ballon. Et là, ce serait donc un coup franc. Et on joue rapidement là, de Beauchamp vers Clou. Quelques options courtes. Moi, il va avec une option plus longue et le ballon qui manquait de pression, mais qui se rend finalement quand même jusqu'à Trois-Rivières, mais Couture qui revient rapidement et reprend ce ballon sur sa droite vers Fortin. Encore une fois, on cherche vraiment l'aile gauche avec Métivier, c'est fréquent. On manque un petit peu de timing, mais ça ne serait tardé là, avec ce 11 partant quand même qui sera très, très dominant cette saison. Je n'ai pas de doute. Puis écoutez, c'est ce que je disais l'an passé. On en est à notre quatrième saison et je n'ai jamais vu perdre le Rouge et Or féminin. Jamais. C'est pas compliqué. Donc, ils ont gagné tous leurs matchs. Ou je pense qu'il y a eu un match nul au courant de cette séquence. Mais les filles qui sont très, très dominantes à chaque saison. Puis ça, bien évidemment, c'est le produit des cégeps de la région parce que quand vous regardez cet alignement-là, c'est vraiment presque exclusivement du cégep de Garneau et de Sainte-Foy. Donc, c'est des produits locaux. Yujneza à l'arrière, à le ballon. On remet sur sa gauche à Roy. Roy, peu d'options. On doit revenir à l'arrière sur Yujneza. Rapidement vers Turcotte. Turcotte qui, la semaine passée, je trouvais qu'il manquait un petit peu de rapidité comparativement à l'an dernier. Encore une fois, ce soir, on manque un petit peu de rapidité. Et là, le ballon qui finalement, et là, c'est une surprise, mais Trois-Rivières qui propulse ce ballon au-dessus de la tête de Labrec. Et c'est 1-0 pour les Patriotes. Et là, c'est la consternation dans le camp des Lavalloises. On ne s'attendait pas à cela, mais vraiment une performance qui, jusqu'à présent, est honnête du côté de Trois-Rivières en offensive.
Elle performe très, très bien. Là, on a une blessure du côté des Patriotes sur la séquence. Si je ne me trompe pas, là, c'est Thériault en milieu de terrain. Là, on amènera les soigneurs. Ça semble douloureux du côté de Thériault. Ça semble peut-être le genou, le bas du corps, peut-être avec la cheville. Et là, à la 19e minute de jeu, là, les Patriotes de Trois-Rivières qui prennent les devants par la marque de 1 à 0. Alors là, je pense qu'on va même faire peut-être un changement du côté de Trois-Rivières parce qu'on vraiment, on semble avoir de la difficulté à marcher pour Thériault. Mais c'est sûr que là, on avait des joueuses qui étaient dans une autre compétition, qui jouaient dans une autre équipe. Là, on avait un alignement qui avait des remplaçantes pour la semaine passée. Puis cette semaine, bien, de tout mettre ça ensemble, bien, c'est sûr que la soupe qui est mélangée par moment. Puis là, bien, en ce début de match, bien, on joue pas mal du côté de Laval, mais on le sait qu'on est capable de faire beaucoup mieux en termes de précision de balle. De rapidité de transition. On voit qu'on manque quand même beaucoup de ballons, qu'habituellement, là, on ne se le cachera pas. Chaque ballon est sur la cible. Donc, quand même, il reste beaucoup de temps. Mais c'est sûr que ça va mettre un petit peu de pression là, sur les Lavalloises qui encaissent leur premier but cette saison. De Turcotte à l'arrière vers Bourassa. Rapidement, on remet en direction de Métivier qui a une double-triple couverture. Et là, on aura un coup franc dans le dernier tiers. Et l'entraîneur qui n'est pas bien en accord sur la décision, mais celle-ci semblait juste. Le Rogéard qui aura donc une belle chance là, pour niveler le pointage. Et c'est Roy qui a quand même un excellent tir. Ce serait intéressant de voir si elle prendra ce tir-là ou elle ira chercher une tête devant le filet. On va plutôt vers la passe, pris de la tête par Trois-Rivières encore une fois. Et là, on réussira à sortir ce ballon. C'est bien fait par les Patriotes, là. C'est Kim Tremblay qui dribble ce ballon. Et là, elle le perd tout juste en milieu de terrain pour Noël. Sur le flanc gauche à Gaudreau. C'est repris là par Patrick qui force... Le flanc droit, on tentera de centrer ce ballon, mais un beau tacle de Trois-Rivières qui mènera à une rentrée de touche pour le Rougéard. Sur le pied de Métivier, un centre du pied gauche en direction de Tremblay. C'est vers Gosselin qui se retourne et tire, mais le tir qui manquait de précision. Ce sera donc un coup de pied de but pour Clou. Rapidement, on remet sur le flanc gauche en direction de Beaulieu, puis sur Boyer, mais le ballon qui quitte le terrain. Ça sera donc une rentrée de touche pour les Lavalloises. Rapidement, c'est Patrice qui est intercepté là, par Goudreau. À l'arrière, sur Yujneza, et là, on semble vouloir... quand même fermé en défensive là, du côté de Trois-Rivières. Là, c'est Tremblay qui tourne bien. On remet le ballon à Roy sur le côté gauche, mais malheureusement, là, on tentait là, de déborder. On a poussé un petit peu trop ce ballon. Ça sera donc un coup de pied de but pour Trois-Rivières. On prend son temps du côté de la gardienne Clou. On demande, je pense, de se resserrer, puis on ira avec un court coup de pied de but à sa gauche. Et là, un ballon complètement raté, ce qui mène à une contre-attaque du Rougéard. C'est Gosselin qui remet en arrière pour Couture. On se bat bien encore une fois, il y a plein de joueuses de Trois-Rivières. Là. Ça s'est resserré très, très vite sur la séquence. On n'a pas été vraiment capable de prendre un tir au filet, là. Ce sera Clou encore une fois. Est-ce qu'on ira encore une fois avec un petit
coup de pied de but, oui. Donc là, quand même, c'est quand même quelques fois. On se devra de mettre peut-être une pression un petit peu plus haute du côté de la troupe de Elder Duat. Et la pression qui vient vite. Et Eugenia qui doit projeter ce ballon. Il n'est pas habitué, là, parce qu'on est habitué vraiment de bien rouler ce ballon. Et Trois-Rivières qui joue très, très bien en ce début de match. On pousse un long ballon. Il n'est pas en hors-jeu. Et là, c'est bien fait par Patrick pour repousser ce ballon vers l'extérieur. Ce qui donnera donc un coup de pied de coin. Donc, premier corner pour Trois-Rivières ce soir. 25e minute de jeu, c'est 1-0 pour les Patriotes. Sur le coup de pied de coin, ce sera Poulain. Et là, on a même de l'arrière, là, c'est Goudreau qui s'approche. Et là, le ballon qui est repris de la tête par Bourassa, qui ira jusqu'à l'extérieur. Ce sera donc une rentrée touche pour Trois-Rivières et Boyer qui s'élancera là, en direction de Noël. Le ballon qui quitte encore une fois le terrain pour Trois-Rivières. À la reprise, là, on pousse ce ballon dans le coin, mais c'est Roy qui reprend. Tremblay qui dégage en plein milieu. On prend le tir, c'est complètement raté. Et là, c'est Noël qui remet en plein milieu en direction. Et là, c'est la break qui appelle ce ballon et qui fait sa sortie. On remet un court ballon sur Patrick qui monte ce dernier. On pousse vers Métivier et là, elle devra... Et oui, elle va très, très vite. Elle prend ce ballon. Ce serait capable de revenir vers l'intérieur. C'est fait. Une passe vers Gosselin qui est tout juste déviée. Et là, c'est Patrick qui voulait prendre ce ballon, mais qui l'évite pour donner une rentrée de touche pour le Rougeard. On joue très, très vite sur Turcotte. C'est repris par Trois-Rivières, puis par Métivier. Ballon qui quitte le terrain. Donc, une autre rentrée de touche pour les Patriotes. Et là, de la tête, on rate ce ballon. Et là, on chute. Et on donnera le coup franc pour le Rougeard. Ce sera Patrick. Elle voulait faire un court ballon et c'est fait vers Couture. On ira à l'arrière sur Eugenesan. Là, on a Roy qui passe sur le flanc gauche. Il faudra la surveiller. Et là, ce ballon qui a manqué de communication sur la séquence. Là, Roy qui était à l'extrême gauche et on a remis ce ballon en plein milieu. Là. Clou qui a peu d'options au cours, qui racle un ballon plus loin, pris par Eugenesa de la tête. À l'arrière de Poulain, on remet sur De Guise là, qui relance ce ballon. À l'arrière, là, c'est Bourassa qui est là. On peine à sortir ce ballon du côté Lavalois. Là, c'est Roy qui devra faire vite parce qu'effectivement, on a pris le tir du côté de Poulain. Il manque le petit quelque chose là, du côté des Lavalloises. On joue pas mal, mais il manque cette petite cohésion qui va faire que les transitions seront plus faciles. Parce que là, jusqu'à présent, on peine vraiment dans le dernier tiers à amener ce ballon au sol et à prendre des tirs de qualité. Là encore une fois, un manque de communication entre Bourassa et Patrick et Labrec qui doit faire vite. Remet à Patrick la pression qui vient vite. On relance un long ballon. C'est Turcotte, encore une fois, un plus long ballon. Là, on a de la difficulté. Pendant que je remarque là, que Thériault est revenu, il semble très bien aller. Et le ballon qui va sortir donc en coup de pied de but. 28e minute de jeu ici au stade du Peps. 1-0. Pour les Patriotes. Est-ce qu'on serait capable de mettre un petit but avant la mi-temps? La break qui prend son temps. Un long ballon en milieu terrain pour Gosselin. C'est repris de la tête là, par Beauchamp. On avait poussé. Donc, ce qui donnera un coup franc pour les Lavalloises. On reprend ce ballon beaucoup plus loin pour une courte passe sur Patrick. En milieu sur Turcotte. On se défait de son adversaire et on changera d'aile sur Eugenesa. Roy qui est prête à partir. Cette dernière qui obtient le ballon, on remet à Tremblay. Puis on voulait remettre à Roy, mais c'est plutôt sur Fortin.
Couture qui pousse un long ballon vers la capitaine Roy. Le ballon qui semble tout juste rester dans le terrain. Et là, Gosselin qui rate son tir. On avait une pression quand même très, très forte. C'était pas facile, mais si on avait pu mettre le pied sur ce ballon, ça allait complètement dans le fond du filet. Contre-attaque et c'est Bourassa qui reprend son intérieur. On remet à Labrec à l'arrière. Une courte passe sur Patry, la pression qui vient vite. Et on perd ce ballon. Et là, attention, on est dans la surface. On prend le tir et tout juste redirigé par Patry. Mais encore une fois, un manque de communication. On aurait pu lui dire là, qu'on avait une pression très, très forte sur elle. Elle faisait dos au jeu. Donc, encore une fois, là, les petits ajustements qui sont manquants en ce début de match. Une bonne chance de marquer là, pour Trois-Rivières. Donc, deuxième coup de pied de coin. Encore une fois, on met une joueuse devant la gardienne. Le ballon qui est repris de la tête, là, finalement, par Trois-Rivières, ce qui donnera un coup de pied de but. Labrec qui a quelques options courtes, mais finalement, on prolonge ce ballon. Et Gosselin qui peine à toucher à certains de ces ballons là, en début de match. Le ballon qui est dévié par Poulain et qui quittera le terrain. Donc, ce sera Roy à la remise. Roy qui pousse ce ballon vers Poulain, mais encore une fois, manquait de précision. Et là, attention, on a une pression et on a presque perdu ce ballon du côté Lavallois. Et finalement, le ballon qui va aller encore une fois en coup de pied de but. En défensive, on joue un petit peu là, je trouve. Là, on a une pression qui est quand même vive par Trois-Rivières. Et on prend là, les choses quand même très, très faciles et très, très lent. Mais on se met là dans l'embarras à quelques reprises. Là. En milieu de terrain, c'est Gravel. Gravel qui a de l'espace et prolonge un ballon en direction de Poulain. Mais Labrec qui fait cette sortie. Et là, Poulain qui n'est pas très heureuse. On pousse un petit peu Roy. Je pense pas que c'est ça qui va stresser la capitaine du Rouge et Or. Le ballon de Couture qui manquait de précision. Mais Poulain, et là, Poulain qui pourrait se battre en milieu de terrain. Là, on le laisse aller. Et je trouve qu'on est quand même... Et Fortin plutôt, là, je me mélange entre les Fortins et puis les Poulains. Mais c'est Fortin en milieu de terrain qui, je pense, pour avoir un petit peu plus de hargne, pour aller au contact et mettre cette pression-là. Là. Et là, c'est Patry, la défenseur qui perce. On tentait une passe. C'était peut-être un petit peu tôt pour faire ça, mais et là, Gosselin qui reprend ce ballon. On ira à l'arrière, finalement, sur Métivier. Qui centre un ballon qui manque un petit peu de pression et qui ira jusqu'à la gardienne Clou. De Clou en direction de Fortin avec une pression de Roy. C'est bien fait. Le Roy qui a fait son adversaire. Et là, Croix qui a été. Et là, on aura le pénalty. C'est à l'intérieur. Cette faute est à l'intérieur. J'ai hâte de voir ce qu'on va donner, mais c'était clairement à l'intérieur. Là. C'est un pénalty. Là. Je peux pas croire. On aura le carton jaune et on est allé vraiment. Vous m'excuserez cette expression, mais blindside sur Roy de la droite. Elle avait doublé son adversaire à sa gauche, mais la joueuse qui est une autre joueuse qui est revenue par sa droite et là, l'a fauchée solidement. Et là, on semble donner un coup franc à l'extérieur, mais moi, ça semblait très, très clairement à l'intérieur. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Max. De mon point de vue, c'était clairement à l'intérieur de la zone. Et oui, et là... Et je veux dire, écoutez, je pense que c'est assez clair, c'était à l'intérieur. On aurait dû avoir ce pénalty, là. On a le coup franc, OK, c'est bien beau, mais... Et l'officiel, pourtant, qui était quand même très, très proche. Mais écoutez, ça semble un bon mètre à l'intérieur. Là. On prend le tir du côté de Gosselin. Oh, le tir qui... Ça en a fallu de peu, là. Ça a semblé passer tout juste entre les jambes de Clou qui fait cet arrêt. Et ça reste donc 1-0 pour Trois-Rivières. Mais bon, c'était quand même une nette chance de marquer sur la séquence. On pousse un long ballon, on a de la difficulté en défensive. Et là, c'est Noël sur le flanc gauche. Fait face. Et attention,
dribble bien, on déborde bien et le ballon qui finalement est dévié à l'extérieur par Métivier, ce qui donnera un autre coup de pied de coin pour les Patriotes à la 34e minute de jeu. Là. On n'a pas eu de pénalty, mais on peut quand même se dire que jusqu'à présent, on a quand même un match qui est bien officier là, pour... comparé aux dernières années, ce fut quand même plus dur par moment, mais là, c'est quand même très, très bien pour ce soir, à part, je pense, ce moment qui était évident. Et là, le ballon qui, finalement, sortira encore une fois en coup de pied de coin, mais de l'autre côté, c'est à recommencer pour les Patriotes. Et là, le coup de pied de coin qui finalement quitte le terrain. Ce sera donc un coup de pied de but pour votre Rouge et Or. Avec un petit peu plus de 10 minutes à faire à cette première mi-temps. 1-0. Et là, le ballon qui enfin est relancé de la tête par Gosselin. Et là, c'est Patrick qui joue de vitesse et on se fait accrocher un petit peu. Mais encore une fois, on glisse tout juste à temps pour donner le coup de pied de coin pour Laval. Est-ce qu'on pourra là vraiment obtenir une chance de marquer? Là, on semble y aller avec le blocus à trois joueuses sur la gardienne, ce fameux blocus qu'on fait à trois joueuses sur la gardienne adverse. Par le passé, ce fut très payant, donc ce serait intéressant de voir si on pourra en profiter cette fois-ci. Ça se pousse devant le but et là, on remet ce ballon. Repris de la tête par Gosselin qui s'est fait pousser. Là, encore une fois, on laisse jouer du côté de l'officiel. Et là, Eugeneza en poursuite. Il n'y a pas de faute ici. On joue et on reprend ce ballon du côté de Eugeneza. La joueuse qui a juste tombé au sol du côté de Trois-Rivières. Ce qui aura une rentrée de touche, je crois. Est-ce qu'on a le coup franc? Oui. Ce sera donc un coup franc pour votre Rougeard. On jouera court encore une fois, je pense bien. Oui, sur Roy. Là, en haut, on manque d'options. Là, on est quand même en double et triple couverture sur Gosselin. On remet ce ballon. Là, on manque encore un petit quelque chose là, du côté de Fortin. Cette dernière qui doit s'ajuster. Là. Roy qui garde ce ballon à l'intérieur des limites du terrain, puis vers Bourassa. De Bourassa à Métivier. Là, on voit qu'on a permuté avec Patry plus en offensive et Métivier en défensive. Donc, il y aura un certain punch en offensive, bien évidemment. Et encore une fois, on se battait bien, là, mais on manque un petit peu de punch du côté de Fortin. Et encore une fois, je me répète, là, c'est un manque de communication de Tremblay et de Gosselin, là, ce qui donne un coup de pied de but pour Trois-Rivières. On fait pas mal les choses, là, mais il manque vraiment cette communication, cette cohésion pour qu'on puisse avoir des jeux plus fluides et des tirs de qualité. Là. Repris de la tête par Poulain. Il a s'est tremblé au ballon à l'arrière sur Eugenia. La pression qui vient vite, elle devra faire très vite. On remet à Roy, puis à Tremblé, qui remet encore une fois sur Roy, qui se sacrifie. Là, ça a fallu de peu pour que Gosselin prenne ce ballon. Turcotte qui amortit ce ballon, mais qui est intercepté par Trois-Rivières. Là, c'est Poulain qui lance un changement d'aile. C'est la break qui sort, attention. Elle doit faire un botté parce qu'elle était à l'extérieur de sa surface. Patry au contact. Patry qui va gagner ce ballon. Patry, je pense que c'est une des joueuses qui joue le mieux jusqu'à présent. Elle remet au milieu de terrain encore une fois sur Fortin. Fortin, oui, un beau ballon là vers Tremblay. Tremblay qui devra faire vite pour garder ce ballon dans le terrain. À un contre un dribble. C'est fait accrocher et là, on ne donnera pas le coup franc et le ballon qui sortira à l'extérieur pour un coup de pied de but pour les Patriotes. 38 minutes de jouer au stade du Peps, 1-0, Trois-Rivières. On voit qu'on veut là, du côté du Rougeard, on pousse. Est-ce qu'on serait capable vraiment de niveler cette marque avant là, la mi-temps? Là, c'est Patry qui se battait bien. On était au sol du côté de Beaulieu, mais on l'a laissé jouer. Là, on fait un tacle du côté de Turcotte. Ce sera donc une rentrée de touche pour les Patriotes.
On remet le ballon à l'arrière. Puis, à nouveau sur gravel, là, on joue au tic-tac-toe en milieu de terrain. Et là, le ballon qui est dans les airs, il est. Mais encore une fois, là, j'ai de la misère à comprendre pourquoi que c'est Labrec qui sort à la hauteur, à l'extérieur de la surface avec une pression sur elle, qu'on a trois défenseurs juste à côté. On aurait pu avoir une implication là, d'une de celles-ci pour éviter à Labrec là, de sortir. C'est un peu une séquence qui pourrait me rappeler là, le premier but qu'on a lobé la gardienne de but du Rouge et Or. C'est Métivier à la rentrée touche vers Turcotte. On laisse jouer là, du côté. On semblait avoir fait une main du côté de Turcotte, mais on laisse jouer. C'est Couture qui remet ce ballon, mais qui est intercepté par Trois-Rivières. Le ballon qui roulera là jusqu'à Labrec. Amortit ce ballon, mais dangereusement. Et ça en est fallu de peu pour qu'on donne un deuxième filet. Là, et un contrôle de piètre qualité là, qui aurait pu mener à un but là, pour Trois-Rivières. Là. Vraiment, on ne peut pas dire que Trois-Rivières n'a pas là, ses chances dans ce match. Et attention, c'est souvent ce genre de jeu, par contre, qui pourrait mener à une belle sortie de clou sur la séquence là, qui gobe ce ballon parce que Tremblay était présente. La gardienne clou qui semble sortir facilement, là, elle n'est pas vraiment profonde dans son fond de filet, mais sort et c'est tout à son avantage. Jusqu'à présent, on semble être hors-jeu peut-être, non? Je pensais qu'on avait un hors-jeu du côté de Gosselin, mais on l'a joué là. C'est Roy qui ira en poursuite. Tremblay qui reprend ce ballon. Est-ce qu'on pourra... Et la pression vient vite du côté de Trois-Rivières. Et là, attention, on le vers les chevilles. Encore une fois, il est l'officiel qui laisse jouer, mais on avait clairement un coup franc ici. On a accroché la cheville, clairement, de Kim Tremblay. Il y avait un coup franc sur la séquence. On reprend à l'arrière sur Bourassa, puis sur Métivier. On s'est fait son adversaire. On remet vers Turcotte. Turcotte qui prolonge ce ballon. Et là, c'est Patrie en pleine course. Est-ce que Patrie pourra mettre le pied sur ce ballon? Oui, c'est bien fait par Patrie. La passe vers Gosselin. Gosselin le tire et but! Joël Gosselin à la 41e minute de jeu qui nivelle la marque. Alors c'est maintenant 1-1 entre les Patriotes et votre Rouge et Or. Une belle passe pour Patrick qui a utilisé toute sa rapidité pour faire cette passe à Gosselin qui par la suite a déjoué son adversaire pour mettre le premier filet de sa saison universitaire. 1-1, 41e. Là, on a un match. Le ballon qui est repris par Trois-Rivières, mais effectivement, je pense que ce changement de positionnement de Métivier et de Patrie a été payant. On voit que Patrie est très rapide là, et a pu toucher à ce ballon. Et là, est-ce que c'est ce qu'il fallait pour que le Rouge et Or vraiment parte et augmente ce tempo et cette pression? Ce serait intéressant de voir. Là, on est quand même en fin de mi-temps. Les prochaines minutes pourraient être critiques pour Trois-Rivières. Tu ne veux pas tirer de l'arrière contre la meilleure équipe au pays, là, vraiment. Clou qui relance ce ballon en milieu de terrain. Bourassa qui a tenté de reprendre ce ballon. Et là, Couture qui est allé chercher ce ballon. Et est-ce que c'est moi ou l'adversaire a semblé tomber quand même très facilement sur la séquence? Je pense que Couture était quand même très, très douce sur ce ballon. Et là, on reprendra donc avec un coup franc et qui manquait de précision. Là, quel jeu bizarre de Trois-Rivières. Je pense que là, il faut être très, très propre dans son soccer. Il ne faut pas donner aucune chance aux Lavallois dans les quelques minutes qui restent à cette mi-temps. Là. En milieu de terrain, c'est bien fait en direction de Gravel. Gravel qui a quelques options finalement sur Poulain puis à l'arrière. Quelle passe qui m'a... Je veux dire, ça me manquait plus que de précision. Il y avait juste personne, là. Roy qui jouait très, très vite sur Tremblay. Et là, on aurait peut-être dû patienter parce que ce ballon est repris par Trois-Rivières. Clou qui rate un petit peu, je pense, sa relance, mais ça tombe bien. Et Yujneza qui reprend ce ballon. Elle a contact. Poulain qui est allé chercher ce contact quand même sévèrement. C'est elle qui tombe, mais ce contact était quand même très, très fort, là. Roy au ballon. Du temps, va se retourner sur le flanc gauche, puis finalement y aller d'une passe vers la gardienne Labrec. Labrec qui relance en milieu terrain vers Gosselin. Il réussit là, à garder ce ballon, c'est bien fait.
Et on a quand même une belle opportunité avec Fortin, je pense, en milieu de terrain. C'est ce qu'on voulait faire. Et tout juste pris du pied par De Guise, qui est bien fait. On remet ce ballon. Et là, il y avait une faute ici. Ce sera donc un coup franc pour les Patriotes. L'officiel qui avertit Turcotte sur la séquence. Je pense que c'était une simple faute. Mais bon, alors on arrive, on est à la 44e minute de jeu. On aura potentiellement une à deux minutes de temps ajouté. On a une blessure en début de match pour Thériault. Alors, ce qui donnera peut-être quelques arrêts de jeu. Le ballon qui finalement va quitter le terrain, ce qui donnera un coup de pied de but là, pour votre Rouge et Or. Le coup de pied de but vers Yuzhneza. Puis à Arroy à sa gauche, de retour à Yuzhneza. Et encore une fois, Arroy, une adversaire qui m'invite. Et c'est encore une fois un petit peu plus dur pour Fortin. On se rappelle que Fortin en est à sa première saison avec le Rouge et Or. Là, on manque vraiment des petits ballons. Alors, on devrait faire attention parce que dans le 11 partant des Lavalloises, on a souvent peu de trous. Hein? Donc, c'est de la performance à chaque position. Et c'est une équipe qui est compétitive même, et c'est sain, mais à l'intérieur de cette équipe, c'est compétitif. On a quand même plusieurs bonnes filles. Donc, pour gagner là, sa place, il faut faire quand même très, très bien. Et donc, il faut faire bien une attention à ces petites séquences. On est dans le temps ajouté. C'est Labrec qui s'élancera pour un autre coup de pied de but. Donc, on prolonge un long ballon en milieu de terrain. C'est prolongé par Gosselin. On a tout juste raté ce contact par les Lavalloises. Et là, c'est Fortin qui rate ce ballon en milieu de terrain. Mais il reprend de belle façon. Gosselin qui voulait pousser ce ballon dans l'espace, mais c'est tout juste raté. Et là, c'est Yuzhneza qui pousse. Le ballon manquait de précision à nouveau. Poulain en direction de Noël en milieu de terrain. Là, c'est Thériault. Il n'y avait pas de hors-jeu. Il faut faire bien attention. Là, c'est Gravel avec Poulain. Et là, c'est De Guise qui voulait prendre ce tir, mais complètement raté. L'officiel qui met fin à cette première mi-temps chaudement disputée avec le pointage égal un partout entre les Patriotes de Trois-Rivières et le Rouge et Or de l'Université Laval. Nous prendrons quelques minutes de repos et serons de retour pour la deuxième mi-temps. Restez des nôtres.
Nous sommes de retour pour cette deuxième mi-temps du deuxième match de la saison de votre Rouge et Or soccer féminin. C'est 1-1 après une mi-temps et ça sera très intéressant de voir ce qu'on va faire là, du côté des Lavalloises. On voit que Métivier semble être de retour en haut. Tandis que là, on a quelques changements possiblement pour le Rouge et Or. Là, je vois que Cloutier a fait son entrée sur le terrain, la numéro 16. On sait que les changements sont permis à la mi-temps. Donc, ce qui ne fait que rendre plus difficile le travail de votre humble serviteur pour ce soir. Alors, on a eu quelques changements. Là, je vois que, encore une fois, en milieu de terrain, là, ça semble... Non, là, on a quand même beaucoup de changements, en fait, pour le Rouge et Or. En milieu de terrain, en défensive, nous avons Gaspard Frère, qui est sur le terrain avec Yujneza. Roy, qui est resté sur le terrain. Finalement, Patrick, qui était à droite, a été remplacé par Cloutier. En milieu de terrain... Là, je vois la numéro 8. Attendez, est-ce que Turcotte est là? Oui, Turcotte est encore présente. Est-ce que je me trompe, Maxime, ou je vois deux numéros 8 sur ce terrain? C'est 9, les numéros qui me perturbent. Alors, c'est Olivia Cole qui a fait le match de la semaine dernière. Donc, on a Cole. On a également Croteau qui a fait son entrée en milieu de terrain. Donc, on a Croteau et Cole avec Couture Dallaire. Et puis, sur les ailes, on revient avec Métivier et Turcotte. Et en haut, Gosselin. Donc, au ballon, là, c'est Gaspard Frère. Et là, un long ballon et c'est Gaspard qui devra faire très, très vite. La pression vient rapidement sur elle. On remet le ballon à l'arrière sur la break, puis sur Yujneza. Yujneza sur la brique à nouveau. On a tenté d'améliorer un petit peu là, la vue pour la caméra, donc en espérant que vous puissiez bien voir. C'est encore une fois le caméraman Caron qui est présent pour ce soir. Notre acolyte de toujours. Et là, on sent ce ballon qui manquait quelque peu de précision qui va aller dans les mains de Clou. Eldar Duarte qui a fait quand même plusieurs changements à sa formation durant la mi-temps. N'était peut-être pas très heureux de qu'est-ce qu'il voit. Il a une faute ici sur la séquence. Aisément, je vous dirais, signalé par l'officiel. Et c'est encore une fois Roy, là. Roy qui a une dure soirée au boulot, qui se fait pousser sur la séquence. Ce qui donnera donc un coup franc pour votre Rouge et Or. Yujneza avec un court ballon en direction de Gaspard. Puis sur Cloutier, c'est bloqué. On aura donc une contre-attaque faite par Noël. Et là, c'est Gaspard qui réussit vraiment bien à garder son intérieur. Et oh là là, on donne la faute du côté de Trois-Rivières. On n'est pas content du côté des Patriotes. Et ça sent le carton jaune. Et oui, ça sent le carton jaune. Écoutez. Et oui, là, il aura ce carton, évidemment, là, la numéro 7 sur la séquence qui a critiqué vivement son adversaire, son officiel, pardon. Ce qui donnera donc un coup franc pour votre OGA. On pourrait y aller sur la séquence, là, c'est Gaspard qui va porter ce ballon vers... Oh! Et là, on a un ballon que je pourrais dire 50-50. Et, en tout cas, c'est sûr que Croteau fait sentir sa présence en arrivant sur le terrain. Le ballon qui est repris par Yujneza. Et là, on chute du côté Lavallois. On aura un coup franc pour les Patriotes. Alors, quelques fautes en ce début de match, en ce début de mi-temps plus tôt. Et l'officiel qui avait signalé, je crois bien, pour Trois-Rivières, mais finalement, qui se reprend. Ce que je comprends, c'est donc un coup franc pour Laval. Et là, Gosselin qui a pu avoir ce ballon. Attention! Écoutez, c'est toujours une joueuse qui est dangereuse. Et on a quand même pas couvert Gosselin sur la séquence. Ce qui a donné un tir de qualité pour le Rouge et Or. Et la gardienne Clou qui n'avait pas l'air très heureuse de ses troupes. Là. Un long ballon qui est remis et qui est bloqué là par Cloutier qui lance dans les estrades. Ce qui donnera donc une rentrée de touche pour... Les Patriotes.
ballon qui a roulé très très loin, donc ça prend quelques moments pour reprendre l'action. À la rentrée de touche, Valois-Mercier qui se reprendra encore une fois, une deuxième touche. Et là, attention, couteau d'alerte qui fonce sur ce dernier. Métivier qui allait au contact, mais perd ce ballon. Là, c'est Cole qui passait tout juste à côté. C'est repris par Croteau. On se dispute bien le ballon, ça pousse et on laisse jouer du côté de l'officiel. On va faire attention, là, c'est Gaspard Fakihi. Il s'en est fallu peu pour qu'elle perde ce ballon. Et vraiment, il y avait quand même deux joueuses de Trois-Rivières en pression. Et là, couture d'alerte qui manque un petit peu de précision sur ses têtes pour ce soir et qu'il a manqué. Là, c'est bien fait par Gaspard, l'attaque. Cloutier qui perd ce ballon. Et on revenait durement au contact. Et la joueuse qui reste au sol du côté de Trois-Rivières, là, c'est Saint-Jean. Qui a peiné à se relever à la reprise. C'est Valois-Mercier. Avec un long ballon du côté de cette dernière. Et là, c'est repris en milieu de terrain. Et là, on se bat bien le ballon. Couture d'alerte qui le reprend. Et là, attention, c'est Métivier sur le flanc droit. Elle tente de ramener ce ballon dans la surface. C'est tout juste raté de Roy vers Yujneza. On prolonge un long ballon vers Gosselin qui est en position de hors-jeu. Ce qui donne donc un coup franc pour les Patriotes. Les Patriotes qui placent ce ballon. On vous rappelle que le match des hommes suivra à 20h15. Donc, soyez des nôtres pour le premier match de la saison du Rouge et Or masculin. Le ballon qui est repris finalement par Cole en milieu de terrain sur couture d'alerte, puis Croteau. Une contre-attaque de Trois-Rivières sur la séquence qui manquait de précision. Et là, c'est Cloutier qui, finalement, remettra à l'arrière sur la brique. À la rentrée de touche, là. Encore une fois, c'est Cloutier. On se bat bien. Le ballon qui, finalement, passe tout le monde et qui sortira, donc, en coup de pied de but. Donc, un coup de pied de but pour les Patriotes. 53e minute de jeu, c'est toujours 1-1 au stade du Peps entre votre Rouge et Or et les Patriotes. Là, on aura une rentrée touche faite par Trois-Rivières, le ballon qui finalement quittera. Et on dit que le ballon, c'est une touche pour Trois-Rivières, mais j'en doute très fortement sur la séquence. Même qu'on avait fait la touche du côté de Laval. On se bataille au milieu de terrain. C'est gagné par Trois-Rivières. Et on perce bien. Et là, attention! Et il s'en est fallu le peu pour prendre un tir de qualité par Saint-Jean sur la séquence. Et là, c'est Métivier finalement qui reprend. On la relance. Et c'est le fait de son adversaire, mais il pousse un petit peu trop le ballon qui est intercepté. Finalement, le ballon qui est bloqué et sortira à l'extérieur pour les Patriotes. Ballon qui revient dans le terrain. On serait prêt à reprendre pour Valois-Mercier. Valois qui a peu d'options et finalement, c'est un ballon qui était destiné pour Noël et un très, très haut ballon bloqué là de belle façon par Gaspard Frère. On reprend de la touche encore une fois en pression. C'est Cloutier. Et là, on se bat bien du côté. Là, on retient, mais on laisse jouer du côté de l'officiel, le col qui était retenu sur la séquence. Encore une fois, c'est Valois-Mercier au ballon. On remet à l'arrière vers la capitaine. Et là, il se fait intercepter le ballon. Il a ses coutures de l'air qui aura une opportunité dans la surface. À un contre un, elle se fait enlever le ballon. Est-ce qu'elle pourra
le ramener là. Aïe, 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 aïe. Manque de contrôle pour Couture Dallas qui donnera un coup de pied de but pour les Patriotes. Je croyais qu'on était en mesure vraiment d'amener ce ballon au filet, vraiment qu'on est rentré dans la surface de réparation. Mais bon, les bras m'en tombent, mais finalement, ça sera donc un coup de pied de but. Et là, Couture qui a une autre opportunité, on remet. Il a une belle touche de Gosselin. Oh, quel contact là! On a laissé jouer du côté de l'officiel, mais c'était clairement un contact sur Couture. Et là, écoutez, il y avait une faute sur la séquence, c'était évident. Je veux dire, je pense que l'officiel est la seule personne qui n'a pas vu ça sur la séquence, là, parce que c'est un lourd contact. Et aucune des deux joueuses n'a même touché au ballon. On a au moins le souffle coupé sur la séquence, là. On se parle sur le terrain avec l'officiel, les soigneurs et Couture. Je pense qu'elle voulait demeurer dans le match, mais elle ne peut pas puisque les soigneurs sont rentrés sur le terrain. Donc, on devra reprendre à 10 contre 11 pour le moment. Donc, on veut saluer nos partisans sur YouTube. Alors, on en profite pour saluer Seulement Brun qui nous a écrit dernièrement. Alors, on te salue et on te souhaite un bon match parmi nous. On le sait que tu nous as salué à quelques reprises, donc on le fait nous également. À la rentrée touche, c'est Cloutier en direction de Métivier. Là, c'est Métivier qui gardera ce ballon. Le remet à Cole en arrière, mais c'est tout juste bloqué. Là, une contre-attaque par Trois-Rivières. Attention, ça prête un lourd contact ici. Et effectivement, bien repris là, sur la séquence. Et là, la break qui repousse ce ballon à Eugène Appui à Couture d'Alaire. On visait vraiment Turcotte sur la séquence. Et bien bloqué par Couture sur la séquence. On remet à Gosselin. Elle prendra le tir. Le tir, oh! Tout juste à la gauche du filet, donc le pointage qui reste de 1-1 à la 59e, mais on le voit, dès qu'on donne un peu de place à Joël Gosselin, c'est très, très dangereux, les tirs qui peuvent faire mal à chaque moment. Là. Ce sera Clou à la relance, bien repris en milieu de terrain par Croteau, on pousse de la tête de Métivier en direction de Gosselin. Là, on visait Métivier sur la séquence, mais c'est relancé très, très loin. De la tête, on relance du côté de Gaspard Frère vers la break, puis sur Yujneza. Le ballon qui sortira à l'extérieur. Et là, on semble vouloir dire que ce serait une touche pour Trois-Rivières, mais les officiels qui n'étaient pas vraiment ça, mais finalement, on donne la touche pour les Lavalloises sur la séquence. Un très, très haut ballon, et là, bien repris de la tête par les Patriotes. Ballon qui va complètement au fond droit sur la séquence et on se débarrassera du ballon pour donner une entrée de touche pour les Patriotes. Le ballon qui est relancé en milieu de terrain et c'est repris par la joueuse lavalloise sur la séquence et là, on doit faire vite du côté de Cloutier pour remettre à Métivier, ce qui est bien fait à droite. Et là, on se bataille. Est-ce que Métivier pourra reprendre ce ballon? Et non, c'est sorti par les Patriotes qui donnera une rentrée touche pour les Lavalloises.
Là, ce ballon qui est très, très haut. On veut le reprendre du côté de Croteau. C'est bien fait. On remet à l'arrière à nouveau sur Gaspard Frère. Un ballon vers Métillon. On demande un hors-jeu. Ce n'est pas arrivé. Couture qui bloque le ballon. Qu'est-ce que Couture pourra ramener ce ballon? Et là, elle va aller gagner au moins le coup de pied de coin. Donc, un coup de pied de coin, le premier de cette mi-temps, je pense bien, pour les Lavalloises. Là, on prend tout notre temps pour les Lavalloises pour s'effectuer, pour s'élancer plutôt sur le coup de pied de coin. Le ballon qui, finalement, est repris par Roy, mais une belle feinte qui donnera donc une rentrée de touche. Le ballon vers Métivier. Métivier qui garde ce ballon, mais là, qui le perd encore un petit peu, manque un petit peu de contrôle. On a de la difficulté à garder ce ballon très, très près de soi du côté de Métivier. Là. C'est Turcotte qui va chercher ce ballon sur le flanc droit, sur le flanc gauche, pardon. On remet à Couture, il y avait hors-jeu sur la séquence. Donc, un coup franc pour Laval. Pour Trois-Rivières, pardon. Donc, le ballon qui tarde à revenir. Ballon qui ira en entrée de touche pour les Lavalloises. Là, on a peut-être une opportunité, mais on se redébarrasse du ballon pour les Patriotes. Ce sera donc une rentrée de touche faite par Mélissa Roy, la capitaine. Et là, qu'est-ce qu'on semble vouloir patienter? On a une blessure du côté des Patriotes. On va essayer de vous zoomer ça. Non, même pas. On n'a même pas le temps. Ça va trop vite. Le caméraman qui est débordé de travail. Écoutez. Donc là, le ballon est repris par Roy en bataille. On donne un autre coup franc, mais genre de séquence où on pourrait vraiment voir les joueuses se combattre le ballon sans coup franc. Et je pense que quelques moments où on a des contacts plus intenses durant le jeu qu'on pourrait signaler. Yujneza, on remet pour Turcotte. De Turcotte à l'arrière vers Yujneza à nouveau. On changera d'elle vers Gaspard qui voit une opportunité vers elle. Elle avance. Le ballon qui manquait de précision. Attention à la contre-attaque, là. On pourrait avoir un 2 contre 1 sur la séquence. Et là, quel manque de communication. Et oui, elle se prend la tête à deux mains. Je comprends bien. Quel jeu raté, là, de la part de Noël, qui aurait pu mener une bonne chance de marquer pour Trois-Rivières. Là. Couture qui reprend ce ballon. On remet à Métis encore une fois sur le flanc droit. Est-ce qu'elle serait capable de ramener ce ballon vers l'intérieur un petit peu plus, là? Encore une fois, elle manque peut-être un petit peu de rapidité, là, du côté de Métivier. On aurait aimé ça l'avoir plus débordé et ramener ce ballon plus clairement vers le milieu de terrain. Ce sera Roy qui reprendra avec le coup de pied de coin. Elle a un beau coup de pied de coin. Ah, échappé à la gardienne et... tout juste retombé. Il s'en est fallu de peu là, pour que le Rouge et Or prenne les devants 2-1. Le ballon qui finalement sera remis par Clou à sa droite. Mais Clou qui a échappé ce ballon et qui est quand même qui a agi très très vite pour le reprendre. Parce qu'on avait quand même des joueuses lavalloises juste à proximité. Il s'en est vraiment fallu de peu là. 64e minute de jeu, c'est toujours 1-1. On l'avait dit, il faut faire attention à ces Patriotes. Ils jouent quand même très, très bien. Et là, du côté, par contre, du Rouge et Or, le tempo semble nous avantager. On bouge quand même bien le ballon. Mais le pointage est quand même de 1-1. Donc, un but est si vite arrivé. Il faut faire très, très attention. Là. Le ballon pour Métivier. On prolonge ce ballon pour Cole. Cole est là. Juste, on n'a pas regardé, là. On aurait pu prendre son temps juste un petit peu plus, le remettre peut-être un petit peu moins fort, mais c'est des petits ajustements qu'on va avoir à faire avec des nouvelles joueuses dans notre alignement. Hé, hey, là, là! Quel tacle non nécessaire sur la séquence.
du côté des Patriotes. Écoutez, dans certains matchs seniors masculins, ça aurait pu brasser un petit peu plus, là. En milieu de terrain, on dribble bien. Là, c'est Couture qui a ce ballon. On remet pour Gosselin. Un beau ballon qu'on redirige vers Métivier. Ce qu'elle prend, elle a de la difficulté avec ses contrôles. Elle n'est pas capable de garder ce ballon près d'elle rapidement. Vous remarquerez, et là, il y a une faute. Vous remarquerez que le premier contrôle de Métivier est toujours un petit peu plus loin. On doit vraiment aller au deuxième contrôle pour garder ce ballon. Mais la pression vient trop rapidement. Donc, on n'est pas en mesure de garder ce ballon. Alors, ce sera des petits ajustements et des choses à améliorer là, pour Métivier au courant là, des prochaines semaines. Là. On joue très, très vite du côté de Trois-Rivières, peut-être un petit peu trop vite. Ce qui manquait de précision. Alors, Roy reprend ce dernier. Ah, quelle passe ici. Contrôle de Gosselin qui redirige bien ce ballon. Couture qui elle aussi, là, par moment, ce soir, rate quelques ballons. Elle ne nous habitue pas à beaucoup de ratés. Donc, c'est plus dur pour elle ce soir. On a quand même une très bonne opposition du côté des Patriotes. Encore une fois, là, c'est la capitaine qui reprenait ce ballon. Métivier qui pousse ce ballon vers personne. Le ballon qui ira donc jusqu'à la gardienne de but, Clou, qui décidera de le reprendre face à Gosselin. Une courte remise qui a semblé collée au gars, je pense, parce qu'écoutez, le ballon n'est pas sorti de la main, tout simplement. Très bizarre sur la séquence. C'est Cole au contact qui se bataille, garde cette pression, et finalement, c'est Thériault qui reprend là pour... en plein visage là de Croteau sur la séquence. On signale une faute de main, effectivement, donc... C'est sûr que quand le ballon est à 2 mètres de soi et qu'on se le fait projeter vers le visage, je pense que c'est correct qu'on mette sa main. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Maxime. Là. J'aurais fait probablement la même chose. Ouais, effectivement, là, donc c'est clairement un geste de protection. Le ballon qui était tellement proche. Et j'oublie là, par moment que je dois enlever mon casque pour le donner à Maxime là, pour qu'il puisse vous parler. Donc, écoutez, c'est de la coordination autant sur le terrain que dans la régie pour ce soir. Là, le ballon qui est sur le flanc gauche, on le ramène en plein milieu. Et là, les passes qui sont dangereuses du côté Lavallois, là, il faut faire bien attention. C'est Gosselin qui a de l'espace. Attention, elle remet ce ballon sur le flanc droit à Cloutier. Cloutier qui recentre le ballon vers le deuxième filet, vers le deuxième poteau, pardon. Et puis le ballon qui sortira en un coup de pied de coin. Pendant que nous avons un premier changement pour ce match venant des Patriotes de Trois-Rivières. Fait sa sortie, je crois bien, la numéro 7, Goudreau, et embarque sur le terrain. Une nouvelle joueuse pour les Patriotes. Premier de 5 changements de possible pendant qu'on est maintenant à la 69e minute de jeu. C'est toujours 1-1 ici au stade du Peps. Fait son entrée donc à la numéro 15, Sarah Maud Pearson. C'est Métivier qui se bataille le ballon, mais c'est tout juste perdu pour Saint-Jean qui repousse le ballon, mais puis bien repris là, sur la séquence par Gaspard Frère. Encore une fois, on se lance des ballons pas faciles du côté Lavallois. Contre-attaque qui est bloquée par Yujneza qui aura une remise vers la brèque à l'arrière. De la break, on relance un très, très long ballon, mais on est immobile du côté des Lavalloises et on reprend le ballon du côté de Trois-Rivières. Et là, c'est Gaspard qui touche à ce ballon. Finalement, la break qui fait une relance, mais le ballon qui quittera le terrain. Et je pense que Métivier aurait pu se battre pour ce ballon. Elle n'était peut-être qu'à 3-4 mètres du ballon. Et le ballon qui a quand même tombé à l'intérieur du terrain. On manque un peu de combativité, je trouve, là, par moment, ce soir pour quelques joueuses, là. On n'est pas habitué à cela pendant qu'on sent une charmante arôme de barbecue ici, hein, Maxime? Et là, bel arrêt de Clou. Et Clou qui... Là, on va lâcher le barbecue. On va parler plus de Clou, là. Mais Clou qui fait quand même plusieurs sorties de qualité, qui n'hésite pas. Elle me surprend pour une joueuse de première année. Et là, la joueuse qui revient en pression, elle semble être hors-jeu. On laisse jouer. Le ballon qui ira à l'arrière pour Yujneza. Et là, on se sacrifie sur la séquence. Et finalement, le ballon qui, malheureusement, quittera le terrain. Ce qui donnera une rentrée de touche pour les Lavalloises.
On demande de patienter, même de reculer pour quelques mètres, mais la chose qui réavance à la même endroit, donc ça ne donne pas grand-chose. Et puis on reprend de la tête et finalement sur le pied de Couture Dallaire à l'arrière vers Gaspard Frère, cette dernière à sa gauche vers Yujneza. Yujneza qui a plus de temps que précédemment. On relance un très, très long ballon en chambandelle vers Métivier qui défait son adversaire, qui réussit à prendre un tir. Le tir de qualité, le but! Oh, eh bien, quel tir de Métivier qui vraiment était parfait dans la lucarne et qui propulse les Lavalloises en avant 2-1. Un tir parfait. Elle s'est défaite son adversaire par un beau dribble et elle s'est défaite donc pour faire un tir. Et c'est maintenant 2-1. Alors, le jeu qui reprend avec votre Rougéor en avant par la marque de 2-1 sur un but de Marie-Michel Métivier, une passe donc de Yujneza sur la séquence. Alors, quelle belle séquence. Alors là, on redirige un ballon du côté de Trois-Rivières et le ballon qui va tout juste rester à l'intérieur, c'est Labrec qui le ramène. Et oui, on va purger quelques secondes, nous permettant de nous amener donc à un peu moins de 18 minutes de jeu à faire à cette rencontre. Alors, le Rougéor qui mène 2-1. Alors, quand même une séquence importante. On vous disait que Métivier, là, par moment, ratait quelques ballons, mais là, quel but! Vraiment une précision chirurgicale sur la séquence. Un autre bon tir, mais arrêté par Clou. Clou qui n'a vraiment pu rien faire sur le dernier tir. Là, c'était vraiment un tir parfait. Et là, on tente d'y aller. Oh, quel jeu et quel sacrifice, j'oserais dire, sur la séquence de Roy là, qui a vraiment pris le contact pour faire cette passe à Gosselin. Le tir qui fut bloqué, ce qui donnera donc un coup de pied de coin pour le Rougéor. Et on voit que le tempo, là, on veut vraiment jouer rapidement et vraiment déstabiliser cette défensive. Là, ce n'est que quand même 2-1, 73e minute de jeu. Là. Et on y va avec un double blocus sur la gardienne Clou. On vous rappelle, les hommes suivront dans un peu plus de 45 minutes. Et là, un beau corner. Et là, ça en est fallu de peu qu'on puisse prendre un tir. Et la défenseur qui s'empiètre dans son territoire et remet le ballon à Roy qui aura une chance de ramener ce ballon dans la surface. Et ah! Gosselin qui a réussi quand même à toucher à ce ballon. J'aurais pas cru qu'elle était en mesure d'y toucher, mais oui. En levant sa jambe, elle a pu toucher à ce ballon, ce qui donnera donc maintenant une rentrée de touche pour le Rougéor. Je ne sais pas pourquoi les Lavalloises reculent, mais le ballon est à elle. On ne semble pas avoir vu la même chose qu'elle sur le terrain. Là, on se réajuste et c'est Roy qui reprendra sur le flanc gauche en direction de Turcotte. Et on semble avoir un changement de près du côté de Eldar Duarte. Est-ce que c'est Lafrenière? Et la banque qui quitte tout juste, ce sera donc une rentrée de touche pour Trois-Rivières. On avance. Encore une fois, on prend quelques mètres sur la séquence. Cole au milieu de terrain devra faire vite. On remet à l'arrière pour Yujneza. De Yujneza en milieu, une passe risquée, mais qui trouve preneur pour Couture. Le ballon qui est repris en milieu de terrain par Pearson. Et là, à l'arrière, c'est Yujneza. On remet tout juste vers Gaspard Frère. Et là, effectivement, on veut sortir ce ballon-là qui semble ne pas vouloir sortir du territoire lavallois. Là, on se défait de son adversaire avec une petite poussade du côté de Roy. C'est de bonne guerre. Et là, la cheville, encore une fois, on vise les chevilles souvent du côté de Trois-Rivières. On pousse ce ballon. Et là, est-ce qu'on sera à temps du côté de Laval et tout juste en retard sur la séquence?
Clou qui a gobé ce ballon. On relance un ballon. On sent le sentiment d'urgence du côté des Patriotes avec 15 minutes à faire au temps réglementaire. Une belle séquence ici. Un beau jeu de passe pour Trois-Rivières, mais du côté de Gaspard Frère, on remet pour la break. Et là, le ballon qui, cette fois-ci, encore une fois, Métivier qui aurait pu, là, je sais qu'elle a fait un excellent but, là, mais elle aurait pu prendre ce ballon. Il manque de rapidité sur certaines séquences. Encore une fois, là, elle n'est pas allée chercher ce ballon. J'aimerais la voir plus se battre pour chaque ballon et pas seulement attendre un long ballon et pour faire là, une course, parce qu'on la cherche énormément sur le terrain. Mais je crois qu'elle pourrait vraiment faire davantage pour les batailles en milieu de terrain. Là. Couture qui reprend bien le ballon. Et là, j'espère qu'on reviendra sur ce carton-là, parce que là, c'était quand même flagrant. Le ballon était parti. Est-ce qu'on aura le carton jaune? Non, et là, l'officiel qui aurait contrôlé son jeu un petit peu. On demande de reculer ce ballon. Il n'y aura pas de carton. Mais écoutez, le ballon était parti quand même depuis au moins une seconde et on a quand même allé faire ce contact sur Couture Dallaire. On reprend en milieu terrain, donc de Cole à Turcotte à l'arrière. On remet vers la capitaine Roy, puis Cole, mais Cole qui rate son contrôle. Yujeza qui devra remettre à l'arrière pour la gardienne Labrec, puis finalement sur Gaspard Frère. Et encore une fois, c'est des passes risquées. La pression vient quand même très, très rapidement. Gosselin qui a dû se départir du ballon, mais retourne en pression, bloque ce ballon qui devient libre et qui est repris par Trois-Rivières. Une belle tête ici de Gaspard pour revenir en milieu de terrain. On rate un peu le contrôle du côté de Trois-Rivières. Là. Le ballon qui semble vouloir être dans les airs plus qu'au sol. Encore une fois, on lance un très, très long ballon que la break prendra facilement. Ce serait bien voir là, peut-être quelques passes consécutives au sol. Avoir un contrôle de ballon là, du côté Lavallois. On a quand même un temps de jeu qui est limité. Donc, ce serait bien de garder ce contrôle. Le ballon qui est sauvé encore une fois par la capitaine Roy. Roy qui a quand même quelques bonnes séquences et c'est ce qu'on veut voir. Là. C'est le genre de jeu que j'aimerais voir de Métivier vraiment plus combatif sur des ballons plus serrés. Là. La break qui sort et qui là, c'est pas compliqué, elle a sauté sur les deux autres joueuses. Les deux autres joueuses sont au sol. Est-ce que l'officiel pourrait arrêter le jeu, s'il vous plaît? Oui, on a quand même deux blessés. Donc, la break a fait ce qu'il fallait en tout cas pour empêcher le ballon d'embarquer dans le but. Là. Trois soigneurs pour deux joueuses sur le terrain, donc on devrait y arriver. On n'est pas content du côté de Trois-Rivières. Alors, on va voir qu'est-ce qui va se passer avec la joueuse blessée du côté du Rouge et Or. Alors là, pendant qu'on tente de soigner la joueuse lavalloise sur le terrain, je vous rappelle, on est à la 79e minute de jeu. C'est 2-1 pour votre Rougéard. Et ne vous inquiétez pas, nous avons un mobilier de qualité supérieure ici qui va quand même pouvoir prendre tous mes sauts d'humeur. Alors ne vous inquiétez pas, je ne mettrai pas votre Rougéard dans les frais. La table qui va durer. Donc, on semble être prêt pour reprendre l'action. Ce serait donc un changement pour du côté des
Patriotes, la capitaine Beaulieu qui fait sa sortie. Ce sera donc une rentrée de touche qui sera faite par les Patriotes suite aux doubles blessures. Ce sera Valois-Mercier qui s'élancera et c'est Stéphanie Bouchard qui fait son entrée sur le terrain. Remis à l'arrière, la pression qui vient rapidement. Je pense qu'on voulait être fair play, mais on n'a pas été fair play très longtemps. On remet ce ballon du côté de Croteau, puis Couture qui se bataille avec une joueuse en pression. Seul effet de son adversaire, mais ballon qui quitte et que ce sera donc une rentrée de touche pour votre Rouge et Or. On veut jouer vite du côté, bien évidemment, du côté de Trois-Rivières. Avec ces quelques blessés, on ne serait pas bien étonné de voir au moins un 3 minutes de temps ajouté. On est à la 81e, donc un petit peu moins de 10 minutes à faire à ce match. Est-ce que le Rouge et Or peut aller vraiment arracher cette victoire de 2-1? Vraiment, Trois-Rivières qui a été tout au long du match quand même bien performante, qui nous a vraiment étonné. Et là, c'est Métivier au ballon qui reprendra. Le ballon qui quitte à nouveau. Il faut être sûr, on va prendre notre temps du côté Lavallois. On remet le ballon au coin encore une fois pour Couture. Mais là, on manque un petit peu de communication. On aurait pu dire, oui, écoute, je t'envoie le ballon, donc attention, parce qu'on n'est pas allé au ballon, puis le ballon qui quitte en coup de pied de but. Genre de séquence qu'on veut pas avoir, parce qu'on veut avoir le ballon dans les pieds. Pendant qu'on a un changement du côté Lavallois, j'ai pas vu qui a fait sa sortie, là. Fait son entrée, en tout cas sur le terrain, c'est Virginie Deschaines. Si on se fie à la logique, ça devrait donc être Cloutier qui a fait sa sortie, là, qui était en défensive droite. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Pendant qu'on pousse un très, très long ballon en direction de Gosselin, qui se défait de son adversaire. Un beau ballon vers Couture d'Allaire. Est-ce que cette dernière pourra faire quelque chose avec ce dernier? Oui, on fait une passe pour Turcotte qui tire. Et le ballon qui est libre! Il est libre! Oh! Et là, Métivier qui est allé le tout pour le tout vers la gardienne. Mais cette dernière qui a tout juste repris le ballon. Donc, Clou qui sauve la mise encore une fois, là, j'oserais dire. On aura un coup franc suite à une faute de main du côté de Trois-Rivières. On remet le ballon à l'arrière. Et là, finalement, c'est relancé par Gaspard Frère. Le ballon qui dévie, qui sera donc en touche pour les Lavalloises. Une très belle foule, j'oserais dire, une des plus belles foules que j'ai vues dans les dernières années pour ce soir. Les gradins sont bordés. Attention, là! J'aurais aimé ça avoir un tir sur la séquence. On aurait pu prendre un tir à angle réduit. On a préféré faire un petit crochet pour revenir vers l'intérieur, mais le ballon qui a été bloqué sur la séquence. Donc, je disais que les estrades sont complètement pleines. Et même les tables de pique-nique sont pleines, les marches. Alors, il y a du monde vraiment partout pour ce soir. C'est beau à voir. Donc, une belle foule pour cette soirée d'ouverture. On vous parlera là, un petit peu plus tard là, de la troupe de Samir Grib qui tente de retourner au championnat canadien pour la première fois en quelques années cette saison. La joueuse qui voulait faire une feinte, mais qui s'est feintée elle-même, bref, qui a glissé au sol. Ce qui donnera donc une rentrée de touche pour votre Rouge et Or. 84e minute de jeu. 2-1 pour les Lavalloises qui semblent se diriger vers un début de saison parfait de 2 victoires, 0 défaite. Quand même 2 matchs bien gagnés, mais pas 2 matchs faciles auxquels on est habitué. Donc, des matchs plus durs, on voit que les joueuses vraiment se bataillent bien pour mettre cette pression du côté de Trois-Rivières. Puis, on veut vraiment faire bonne figure face aux championnes canadiennes en titre. On aura donc un coup franc pendant que les enfants crient ici. Alors, il y a plein de gens. Les ramasseurs de balles pour aujourd'hui sont des jeunes joueurs de l'association de soccer, je crois bien, de Chaudière-Ouest. Et là, en milieu de terrain, c'est Cole avec une double pression. Doit se départir du ballon
Et là, Métivier qui garde ce dernier. Encore une fois, manque de précision dans ses passes. Métivier. Et là, c'est Gaspard Frère qui reprend ce dernier. Et là, toute une séquence ici, bien faite de la part de Deschaine. Une belle feinte. Et là, c'est finalement Couture qui remet à sa gauche à Roy. Roy qui ramasse. Ah là, la glissade de Gosselin et la balle qui avait été libre. Et on a eu une double sortie entre la gardienne Clou et Gosselin. Et le ballon qui a été pendant quelques instants libre. Et Clou qui, ouf, sauve la mise là. Et qui, encore une fois, Clou qui fait un excellent travail du côté de Trois-Rivières. Je pense que par quelques moments, écoutez, elle a fait vraiment là, des sorties qui ont empêché les Lavalloises là, de vraiment prendre de l'espace et de bons tirs. La marque qui pourrait peut-être être plus élevée là, que 2-1. Là. En milieu de terrain, de colle, c'est bloqué. Et finalement, pour Gaspard, on remet à Deschaine. Et puis, au milieu de terrain, manqué de précision pour Croteau. Et attention, là, attention, on vient. Et c'est Deschaine qui bloque ce ballon qui ira jusqu'au pied de Labrec. C'est d'ailleurs qu'il va faire une passe rapidement à Roy. Roy sur le flanc gauche. Encore une fois, qui est bloqué. Ça sera donc une rentrée de touche pour les Lavalloises. Pendant que le temps file pour les Patriotes, là, moins de 4 minutes à faire au temps réglementaire. Et là, je ne sais pas ce qui se passe du côté des lignes de côté, là, mais je pense qu'on va peut-être faire un changement. Mais l'entraîneur qui était outré, je pense bien, sur le banc et criait, sautait et n'en pouvait plus. Tout ça pour un changement. Donc, la joueuse qui est là sur le terrain environ 8 secondes plus tard. Donc, tout va bien. Et on reprendra avec une rentrée de touche pour les Lavalloises. On contourne. Attention, il faudrait que Yujneza fasse attention. La pression vient derrière elle. C'est bloqué ici. Et là, on a sauté, mais on garde le ballon encore une fois du côté de 3S. C'est repris maintenant par Couture. Couture qui manque vraiment de précision pour ce soir dans ses passes encore une fois. Et là, Labrec qui fait sa sortie. Et là, Roy qui remet en milieu de terrain. Là, Couture qui remet tout juste à l'arrière. On prolonge un long ballon vers Turcotte, mais le ballon qui va quitter le terrain. Ce qui donnera donc une rentrée de touche pour les Patriotes. On va faire vite pour ces derniers si on veut être en mesure d'aller voler un point. Couture qui remet le ballon vers Gosselin qui s'est fermé son adversaire. Attention, il y a Métivier. Aïe, aïe, aïe. On a voulu faire la passe aux deux joueuses à gauche. Je crois que Métivier était une belle option à droite sur la séquence. Un court ballon, ça aurait pu donner une chance nette de marquer. Là. Gaspard qui reprend ce ballon pour Métivier. Et la Couture qui reprend. Passe arrière vers Clou. Alors qui relance le ballon en direction de Saint-Jean. Et là, c'est bien repris par Métivier qui se bat bien. Prend un tir qui passe par-dessus le filet. C'est donc un coup de pied de but pour la gardienne Clou. La défenseur qui tente de ramener ce ballon à la gardienne pour sauver du temps, mais la défenseur qui remet encore ce ballon plus loin. Donc, pas facile du côté des Patriotes en cette fin de match. Clou qui demande à ses troupes de se resserrer. Et on s'élance avec un long ballon là qui est de plus en plus gagné par les joueuses lavalloises. En début de match, c'était l'inverse. Là. Le ballon qui est repris de la tête et qui sortira à l'extérieur pendant qu'on arrive dans la dernière minute de jeu réglementaire. Par la suite, on aura assurément au moins un 2-3 minutes de temps supplémentaire ajouté en fait. Donc, le ballon qui est finalement est dirigé à l'extérieur, ce qui donnera donc un autre ballon pour les Lavalloises. Encore une fois, une rentrée de touche pour votre Rougéard pendant qu'on est dans la dernière minute de jeu à ce match. Effectivement, on semble vouloir prendre tout son temps en fond de territoire pour la troupe de Eldar Duarte. Et là, on dégage finalement ce ballon pour les Patriotes.
ira avec une contre-attaque rapide. Il faut faire bien attention. Là, elle perce vers le milieu. Et là, quelle belle séquence là, de Gaspard Frère pour bloquer ce ballon et repousser vers Métivier. Métivier qui reprendra ce ballon sur le flanc droit. Est-ce qu'elle pourra faire un crochet ou elle centrera? Elle centre. Oh là 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 là! Le bras avait la sortie. Hein? C'est... Ça en est fallu de peu. Je pense mieux qu'on ait un penalty sur cette séquence. Et là, c'est Métivier qui se bataille le ballon, mais qui le perd finalement. Et là, attention, en contre-attaque, on n'a plus de défenseur centre au milieu. Pendant qu'elle tente de tenir ses cheveux, je ne sais pas trop ce qui se passe, là. Écoutez, elle avait des problèmes capillaires sur la séquence, là. Et on reprend ce ballon. Tiens, pour les Patriotes, pendant qu'on est dans le temps ajouté, déjà à la 91e minute de jeu. Et attention, ce ballon qui est repris finalement par la capitaine Roy. Gossin qui est en position d'hors-jeu, faut attention là. Et on relance encore une fois ce ballon du côté de Trois-Rivières. Quel contrôle étrange sur la séquence de la hanche. Et là, on remettra pour Roy sur le flanc gauche. On repousse au milieu pour Gosselin. On doit garder une possession de ballon là, du côté du Rougéard. Il n'y a rien qui presse. On mène 2-1. Il ne faut pas pousser trop de ballons. On mène 2-1. On est dans le temps ajouté. Il faut garder une possession, bien rouler ce ballon et purger les quelques minutes qui restent à cette rencontre-là. Alors, la gardienne Clou qui relance encore une fois un long ballon. Est-ce que la joueuse pourra... relancé du côté de Trois-Rivières, c'est bien fait, mais bloqué par la Valoise. C'est Métivier qui remet sur sa droite pour Deschaine. Et Deschaine qui tente, mais là, elle est poussée. Elle n'est pas capable de ramener ce ballon, mais finalement, elle touche à ce dernier. Mais finalement, elle va chercher le coup de pied de coin très, très important, là, à la 92e minute. Il faut prendre son temps. Là. On n'est pas stressé du côté de la Valoise, mais on joue quand même très, très vite. Ballon qui est touché à deux reprises et finalement qui est sorti par Trois-Rivières. Couture qui y va vraiment d'une possession en fond de zone. C'est ce qu'il faut faire. Il ne reste que quelques instants à ce match. Va gagner ton ballon et c'est très bien fait par Couture qui va gagner cette rentrée de touche. Et là, qui a eu mal sur la séquence. Semble au sol. Ça semble douloureux quand même. Je vais vous avouer que Couture... Dallaire n'est pas une joueuse qui va feindre une blessure. Donc, ça semble peut-être être une crampe sur la séquence. Les fameuses crampes de 93e minute, c'est les pires, ça. Donc, effectivement, en cette fin de partie, il se peut que la fatigue se fasse sentir. Pendant qu'on a quand même fait peu de changements lors de ce match, le Couture qui va... Sûr qu'il n'est pas capable de se lever sur sa jambe, c'est pas compliqué, là. Elle va quitter le terrain, mais là, est-ce qu'on aurait fait un changement? Parce qu'on mène 2-1, on est quand même à la 93e. Cette couture est crampée. Est-ce qu'on devrait entrer une autre joueuse quand même pour ne pas être à 10 contre 11 pour la fin du match? C'est un pensée-y bien, là, je veux dire, c'est quand même très, très important. Donc, le ballon qui... est repris par le Rougéard pendant que Couture est encore à l'extérieur. Elle est crampée. Écoutez, elle ne peut rien faire. Turcotte dans la surface. Elle ne va pas chercher à ramener ce ballon vers le but, mais plutôt perdre de précieuses secondes en fond de territoire. Donc, la pression est vive sur cette dernière. Et elle va regagner ce ballon, je crois bien, mais c'est repris par Trois-Rivières. On ne semble pas vouloir faire de changement du côté du Rougéard. On garde... cet alignement pendant que Couture, je pense, serait prête à revenir dans l'action, là. Ou non, elle va plutôt marcher vers son banc. Je crois que c'est la fin pour Couture Dallaire, là. Le ballon qui est relancé et repris de belle façon, là, par Gaspard Frère. Le ballon qui est dévié par Deschaine à l'extérieur, c'est donc une rentrée de touche pour Trois-Rivières. Que quelques dans affaires. Écoutez, on est à la 94e et plus. Là, on a arrêté le temps, donc on est au moins à 95, je dirais. Donc là, on repousse ce ballon. Est-ce qu'on serait capable de prendre un tir ici sur la séquence? Non, mais on bloque bien. Il y a quand même un match très physique ce soir pour les deux équipes. Et finalement, on fait entrer une joueuse, évidemment, là, parce que ce serait bien dommage de se faire remettre un but à 10 contre 11 à la toute fin.
On va prendre par un coup de pied de but sur la séquence pour Trois-Rivières. Bloqué là en milieu de terrain, mais c'est repris par Trois-Rivières et relancé à l'extérieur. Là, ça semble être la fin. Écoutez, on est rendu au moins à 5-6 minutes. L'officiel qui regarde sa montre, c'est toujours un bon signe, ça. Donc, on reprend une longue touche en fond de territoire. Encore une fois, on tente de sortir du côté de Trois-Rivières. C'est repris par Laval. On va assurément purger quelques autres secondes supplémentaires en fond de territoire. Et oui, on va mettre cette pression du côté de Trois-Rivières. Puis on réussira à sortir. Est-ce qu'on aura le temps pour une dernière attaque ou ce sera la fin pour ce match? L'officiel qui semble laisser jouer à la UGESA qui va tout qu'un jeu. Et l'officiel qui met fin à cette rencontre. Alors, le Rouge et Or de l'Université Laval s'en tire avec un gain de 2-1 sur les Patriotes de Trois-Rivières. Alors, maintenant, l'affiche de votre Rouge et Or, 2 victoires, 0 défaites. Toujours première au pays. Alors, un fort match quand même avec beaucoup, beaucoup de jeux physiques. On a le droit à toute une rencontre et je crois bien que du côté de Trois-Rivières, là, Clou qui a fait des arrêts clés du côté de Laval. On a eu quand même quelques séquences plus difficiles, mais malgré tout, on s'en tire avec un bon résultat et les 3 points de classement. Alors, nous serons de retour à 20h15 pour le match des hommes. Alors, soyez des nôtres dans une vingtaine de minutes. Merci beaucoup. Bye-bye.